Très heureux de vous compter parmi nous, ceux qui nous suivent. Bienvenue à ce numéro de votre émission, La Tribune des Enfants. Vous aurez au cours de cette émission un sketch, des chants et des ballets. Le thème de notre émission d'aujourd'hui s'intitule La Mésentente. Je m'appelle Jessica. Et moi, Judicaël. Qu'est-ce que la mésentente? Quelles sont les causes et que dit la Bible par rapport aux mésententes? Quel comportement le chrétien doit-il avoir à l'école? Au travail, en famille, dans sa vie de tous les jours, pour éviter les mésententes. Pour le savoir, je vous invite à suivre ce sketch. À tout de suite. Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Vous voyez les habits posés. Au lieu de les ramasser, vous les laissez. C'est pour moi, non. Même si le vent veut, il n'a qu'à ramasser ça, les mettre dans les toilettes. Je m'en fous. La personne qui a laissé ça par terre, il n'a qu'à venir ramasser. Je ne suis pas sa bonne dans cette maison. Ici, dans cette maison, personne ne veut rendre service à l'autre. Bonne arrivée. Merci. Sandra? Oui? Y a quoi dans la cuisine? Y a rien. On n'a pas préparé. Moi, j'ai faim. Bonne arrivée, Esther. Merci. Esther! Esther! Y'a quoi? Pardon, tu peux te faire ma tête. C'est à cause de ça que tu cries mon nom comme ça? Non. On t'a dit que moi je travaille dans un salon de coiffure. Pardon. Faut pas t'amuser avec moi. Hein. Bon, si maman vient, je vais demander l'argent pour le maîtresse. Tu dis quoi? Rien. Ça va pas mieux pour toi. Sandra! Sandra! Oui? Viens, je vais t'envoyer. Je ne parle pas. Pardon? Si tu n'as pas les pieds, faut laisser. Hein? Ça va que tu parles comme ça? Oui. Repète ce que tu as dit. Repète ce que tu as dit. Je vais te répéter ce que tu as dit. Si tu n'as pas les pieds, faut laisser. Why? Tu vas la blesser. Hey! Tu veux casser mon plat? Repète ce que tu as dit. Si tu n'as pas les pieds, faut laisser. Why? Tu vois, tu veux la blesser, non? Toi, là, laisse ta bouche dedans, tu en plus, non? Moi, je suis votre grand chef. Vous les appelez pour rien. Moi, je vais vous laisser ici. Je ne lave plus les plats. Si maman vient, je dis que c'est toi qui m'as blessé. C'est parce que je t'ai laissé là, non? Hein? Ça,
Quelle grande soeur, Cosi. Tais-toi, on va rentrer. C'est joli. Donne, je vois. C'est propre. Va déposer dedans. Viens. Merci, tu peux aller t'amuser. Donne. Clémence! Clémence! Oui, chef de famille. Bon, je dois aller. Ah. Bonne route, que Dieu vous accompagne. Amen. Papa. Oui. Vous partez? Oui, je dois aller au boulot. Comme tu le vois, il est presque l'heure. D'accord. Après, je vais laver vos habits. C'est gentil. C'est très bien, ma fille. Et n'oublie surtout pas de prendre mes chaussettes sales, ok? D'accord. Voilà. Mais vous savez que c'est ce soir que je pars chez Tati pour mes vacances. Oui, bon, écoute. Je sais de quoi tu t'inquiètes. J'ai déjà réglé tout ça avec ta mère. D'accord. Okay? Merci, papa. Okay. Ah, bonne route. Merci, à vous aussi. Hey, Esther. Oui? Je dois m'apprêter pour aller au marché. Mais maman, laissez quand je vais terminer, je vais aller faire le marché. Non, ne te fatigue pas. Je vais aller moi-même. D'accord. Jo! Jo! Oui? Viens, tu vas laver les plats. Hé, hey, vous là! Qui a froissé mes habits déposés là? Je suis revenue de l'école, trouver ça posé à terre. Je les ai ramassés posés dedans. Tu pouvais pas les plier. Tu ne veux pas rendre service à quelqu'un là. Fallait laisser ça comme ça. Moi, j'aime pas ça des. Hé, hey, mon Dieu. Voilà ton merci. Gentil, gentil. D'abord. Revanche. On est arrivé. Alexandra, pourquoi tu pleures? On est arrivé, maman. Merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Esther qui m'a frappé, non. Je t'ai frappé. Je t'ai frappé. C'est parce que je t'ai laissé là, non? Hein? Hé! Hey, arrête! Ça suffit! Bonne arrivée, maman. Merci. Bonne arrivée. Merci. Et la famille, ça va? Qu'est-ce que vous avez préparé? Moi, je suis revenue de l'école, je n'ai rien fait. Moi, je suis rentrée dans la cuisine, je n'ai rien trouvé. Une femme doit se débrouiller toute seule. Il y a Sumba là, il y a le sucre, il y a du riz. Tu pouvais faire riz au Sumba là, bouillie de riz. C'était possible. Tiens. Saluez votre cousine. Merci. Bonne arrivée. Merci. Conduisez-la dans votre chambre. Tchè, maman, il n'y a pas la place dedans. Tu peux dormir dehors. Qui? Moi? Je suis chez moi. Tu vas dormir dehors. Comme il n'y a pas la place, tu vas dormir dehors. Moi? Ça, jamais. Tiens, elle s'amuse, il y a la place. Viens. Toi, tu as lavé les plats? Maman, j'avais mal au bras, moi, je ne pouvais pas laver plat. Tu dis quoi? Moi, j'ai mal au bras, moi, je ne pouvais pas laver plat. Va chercher les plats des. Je dis, maman, je suis fatiguée. Tu attends quoi? Que je te tape. Maman, ma tête. Attends ton père, oui. Sors avec les plats là. Très vite. Dépêche-toi. Tu les laves pas ici, d'ailleurs. Ok. D'accord. Sandra, laisse-moi t'aider. Faut pas m'aider, d'ailleurs. Parce que le jour que tu vas laver là, je vais pas t'aider. C'est pas grave. Bon, viens en sortant dehors, laver. Si aussi, maman vient nous trouver ici, là. Ah, regarde, ça va chauffer. D'accord.
Chef de famille. Chef de famille. Oui. Le repas est servi. Ok. Aïcha. Oui, maman. Sors avec le repas. Tu n'as pas les pieds. Et il faut prier, moi je vais manger, moi j'ai faim. Tiens. Tu pars où? Je vais laver les plats. Hé, hey, sortez ici! Vous avez vu? Vous avez vu? Ici, dans cette maison, si on mange, je finis, est-ce que vous lavez les plats? Mais regardez là! Hé, hey, tu pars où? Je sors. Chef de famille. Hé, hey, moi je suis fatigué. Débrouille-toi avec tes enfants. De... Okay. Aïcha. Oui. Viens, j'ai terminé ta tête. Sandra. Oui. Apporte-moi de l'eau à boire. Merci. De rien. Après, c'est ton tour. Bonne année, bonne année, maman. Merci. Qui a lavé les plats? C'est nous deux, maman. Qui a nettoyé la cuisine? C'est moi. Et qui a balayé la cour? C'est Esther. Maman, depuis que notre cuisine est venue, nous avons changé. Elle nous a donné le bon exemple. N'est-ce pas, les sœurs? Oui. Quel changement. Je suis comblée. Merci. Acclamons le Seigneur pour ce très beau sketch et pour ces jeunes acteurs. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Et son amour est parfait en nous. Nous croyons que vous avez compris la leçon. Nous devons nous démarquer des autres à travers notre langage et notre comportement. Alors, chers amis, chers enfants, entendons-nous, supportons-nous, car telle est la volonté de Dieu. Merci pour votre fidélité. Même les bonnes choses ont une fin. Ah oui, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission « La tribune des enfants ». Nous croyons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Bye. Marchons ensemble.
ensemble, nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Le soleil se lève.